Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce jeudi 15 décembre 2022. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Moi, je vais bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé évolution. Eh bien, cette carte, elle vous demande de ne pas oublier que l'évolution est une transformation de tous les jours. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a un mois, un an, 5 ans, 10 ans, et c'est tant mieux, n'est-ce pas? Cela veut dire que vous avez évolué avec tout ce que vous avez passé dans les difficultés, ça vous a appris. La vie, les années, les expériences accumulées, le recul sur les événements passés, eh bien, ont modifié votre manière d'être, votre manière de penser et votre manière d'envisager l'existence. Elles vous ont fait évoluer, peut-être même sans que vous ne vous en rendiez compte, eh bien, on vous invite à intégrer la symbolique du papillon. Alors, au début, il est une petite chenille, n'est-ce pas, qui va s'enfermer plusieurs mois dans un cocon avant de ressortir sous un jour nouveau, riche de votre vécu, n'est-ce pas, et de votre futur. Vous évoluez et vous vous élevez psychologiquement pour devenir chaque jour plus serein, sereine, plus flamboyant, flamboyante. Donc voilà, l'évolution nous rend meilleurs, je l'espère en tous les cas. Alors, petit rituel, je vous demande de vous accorder quelques minutes. Vous êtes assis confortablement, fermez les yeux. Faites le vide en vous. On va respirer profondément et on expire. Essayez de visualiser le film de votre vie. Jusqu'à maintenant. Visualisez depuis votre tendre enfance tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Prenez conscience des expériences accumulées et de votre si belle évolution. Soyez fiers de ce que vous avez intégré. Soyez fiers de ce que vous avez surmonté. Et soyez fiers de ce que vous êtes devenu.
Cela vous a façonné. Et fait de vous ce que vous êtes présentement, aujourd'hui. Quelqu'un de rare et d'unique. Vous êtes quelqu'un de rare et d'unique. De fait, n'oubliez jamais chacun évolue à sa manière, à son rythme. Quand vous êtes prête, vous pouvez ouvrir les yeux. Bien. Je termine avec l'oracle de l'évolution. Si ta vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein de ressources. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort, forte, que tu ne le crois. Alors, agis, va de l'avant et ose. Très beau message, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain. Thank you.